Bon, ben là, me revoilà, mais en arrière de la caméra. C'est le fun de tuer des gros, mais le premier matin, 10 minutes, t'as pas le temps de le désirer ou de questionner. Mais là, je vais peut-être vous faire un peu d'animation pareil, parce que ça a l'air, je me suis déjà fait dire que j'étais un peu intéressant à écouter. Fait que moi, on participait à la chasse à mon caméraman qui est maintenant chasseur. Oui, quand je t'ai remis, t'étais encore un peu. Ouais, demain, il va mourir en esti. Elle cote jamais sur le canon. Hein. Ouais, je sais. Premier matin en Alberta, j'étais supposé, ben, je me retrouve en fait caméraman ici, puis que je filme Charles, puis quand Charles allait récolter, ben, je me retrouve être chasseur. Puis ben, ça se trouve que cette année, Charles a récolté après 10 minutes de chasse, le premier matin. Pis, fait que je me retrouve avec 8 journées pleines de chasse pour ma chasse personnelle. Hein? Tu seras pas chanceux. Il y en a deux. Hey, même dans la caméra, elle zoome au bout, man, il est loin. C'est combien de verges, ça? C'est 4,5, 4,80. Pas plus que ça? C'est un troisième. C'est un one shot de coyote. C'est cool, là. Il y a trois coyotes qui descendent vers notre atlan. Il manque encore un peu de distance là, pour avoir une shot confortable. Le premier est à peu près à 350 verges. Le premier est à 350 verges. L'autre 400, l'autre 450. Mais à 350 verges, c'est pas gros un coyote. S'ils peuvent monter jusqu'à la butte là. Peut-être une nuit là. Qu'est-ce qui va y arriver au coyote avec ça? Hein? Qu'est-ce qui va y arriver au coyote? Il va culbuter. Mon focus est bon. Il est rendu à 300. Le premier est à 300. Ah, mais il y en a un autre qui est plus proche que ça, non? Le premier est à 300, l'autre est. Le troisième est sorti. Non, non. Hey, est-ce qu'il s'en vient? Hey, ils l'ont vu de loin en tabarouette. Il y a parti bizarre.
y a dedans. Ah, je pense que j'ai lu. Ouais? Ouais, j'ai vu le poêle faire ça. Il a juste pas tombé sur le plat. Ouais, il a juste tombé, mais Chris, on l'a perdu de vue dans la butte. C'est une journée de kill aujourd'hui. Hein? Il y a du poêle, tu sais, le poêle. Ah oui. Il y a du poêle, mais il n'y a pas de sel. Il y a du poêle. C'est les traces qui rentrent. Il est parti à droite. Hein? Il est parti à droite. Il est parti à droite? Oui. Ah, ça, je ne l'ai pas vu. Ah, il est parti par là. Voilà. Ça a dû y filer, en fait. Il n'y avait pas beaucoup de chances de survie.